Société Culture, comptez sur nous, sur France Bleu. Juliette Delannoy. Côté culture, comptez sur nous, c'est le plaisir de vous retrouver. Bob Garcia, journaliste, chroniqueur, amoureux des livres, écrivain, un policier natif des Hauts-de-France, et Éric Dupuis, et là aussi un polar que vous avez repéré. Ouais, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps ici d'Éric Dupuis. Bah, voilà, il revient, il est très productif, le garçon, depuis qu'il est à la retraite. C'est un ancien policier, il a fait 35 ans dans la police, dans la région parisienne d'ailleurs, mais bien qu'il soit natif des Hauts-de-France. Et il écrit super bien, et à chaque fois c'est des thèmes vraiment très prenants. Ça s'appelle Le Clan. Là, il y a un commando qui braque un dépôt de la Banque de France dans le nord, dans le Pas-de-Calais d'ailleurs. Ouais. Et puis, ce commando fait partie d'un clan qui agit depuis des années et qui n'arrive pas à se faire attraper par la police, quoi, en fait. Et donc, il y a le capitaine Bordas qui est à la recherche de ce clan et qui va essayer de déterminer qui c'est. Donc, c'est vraiment très prenant, captivant, et surtout la chute qui est inattendue. On ne s'attendrait pas à ce que ce soit ça. S'il vous plaît, ne dites rien.